Moi, je te dis, tu te regardes tous les matins dans le miroir et tu te dis, je me kiffe, et tu t'en fous, personne te voit. Tu t'en fous, t'es toute seule devant ton miroir et tu te le dis, je suis puissante, je suis forte, et bien sûr que je vais y arriver. Et je vais les traverser en plus en étant quelqu'un de méga badass et de méga cool. Et puis, vraiment de s'entourer de gens bien, de pas avoir peur de dire qu'il y a des comportements que tu ne veux plus avoir dans ta vie, et de virer ces comportements-là. Et noter 5 choses positives par jour. C'est comme manger 5 fruits et légumes, mais en petite note. Mais d'apprendre à se rendre compte de ces choses-là, ça aide aussi beaucoup à voir la lumière quand on a l'impression qu'il n'y a que de l'ombre. Moi, je dis souvent aux femmes que je rencontre et qui me racontent qu'elles ont vécu des choses atroces, je dis souvent, mais en fait, on est devenues des surhumaines, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses qui nous ont mises tellement plus bas que terre, qui nous ont tellement brisées de l'intérieur, que quand on arrive à se reconstruire par-dessus ces plaies-là, en fait, on devient une femme surpuissante. Parce qu'on est consciente de tellement de choses de la vie, et on les a tellement dépassées, ça s'appelle la résilience. C'est magnifique, en fait.